Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart toujours. Et encore une fois sur PlayStation 5, c'est une exclusivité, on va pas cesser de le rappeler. Bref, profitez de la 4K, 60 FPS, prenez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble et on est sur une planète qui a l'air incroyable, qui me fait énormément rappeler un petit peu la planète du jeu Rage. Voilà, pour ceux qui l'avaient fait à l'époque sur PlayStation 3, où ça fait un petit peu Borderlands limite. Alors attendez, bougez pas, hop, ça va être beaucoup mieux. Et je la trouve très stylée. Les endroits stratégiquement sensibles de ce genre sont bien souvent la proie des bandits ou des pirates. Mais t'énerve pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va pouvoir utiliser. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, attendez. Peut-être qu'un des vulards en ville pourra nous renseigner. Ok. On commence déjà par un secret, là. On commence déjà par un secret. On commence déjà par un secret. Allez, premier boulot en or dès les quelques premiers mètres de cette planète incroyable. Hop, ça, c'est fait, mon petit pote. Dingue. Dingue et giga stylé à la fois. Et ben voilà. Alors, ça, j'ai envie de vous dire, c'est fait. À mon avis, c'est une planète qu'on va devoir faire en mode très rapide. On a encore quelque chose en haut. Attends, c'est totalement dingue. On a quelque chose en haut. Simple curiosité professionnelle. On peut pas monter par là. Oh, j'ai peut-être un bail là, non? Non, j'ai pas de bail. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Ok, je pensais... On a un truc encore en haut. On a un truc encore en haut. Ça sera peut-être la sortie de la planète. Ah non, on voit pas de chemin. Non, c'est peut-être juste du décor. Allez, on est parti pour la suite. Eh, commencer par un boulot en or. Quand même, plutôt giga stylé. Yo les gars, ça va ou quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire où trouver le réparateur? Ils prennent leurs précautions, c'est tout. Ok, ils s'enferment chez eux. Oh, un petit raritarium des familles. Okay. Qu'est-ce qu'on a là-haut, là? Dites voir. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Dites voir. Encore un secret, mais c'est dingue! C'est la planète qui va le plus régaler ou quoi? Du raritarium et le petit robot caché! De la planète! Encore 5 et Madame Zircon me fabriquera une nouvelle arme fantastique. On a un rail incroyable! Incroyable! On a encore... Ah non, mais c'est dingue. Attendez, parce que pour l'instant, genre, on est beaucoup trop chaud. Eh, je suis désolé, je sais que je dis à chaque épisode, mais vous pouvez pas y échapper. Le jeu, il est quand même pas magnifique. Non, mais c'est quand même pas incroyable, en vrai, là, depuis tout à l'heure. Allez, bonsoir. Ouais, je vois que ça ferme la porte au nez encore une fois. Non, mais frère, t'habites dans des chiottes. Arrête de me faire croire que t'habites là, mon ref. Ok. Allez, une nouvelle arme. Mais bien sûr. Disco zigzag. Ah oui, la mort par multi-coupure. Le disco zigzag. Cet outil de destruction simple mais efficace projette des disques tranchants qui rebondissent dans le décor. Faites rayer la justice. Non, mais c'est incroyable ça. Mais attends, mais c'est trop stylé. On dirait un peu l'arme électrique et tout. Il est trop stylé, j'achète. J'achète, le business a fonctionné sur moi. Je voulais être glaciateur, mais là, le disco zigzag, il est dingue. Bougez pas. Disco zigzag, il est là. Ouais, je vais acheter, ouais. Bombe à dispersion, on s'en fout un peu. Allez, on va même l'améliorer. Il est temps d'améliorer. Une nouvelle arme augmente la cadence de tir. Non, il est incroyable, ce disco zigzag. Attendez, là. Oh. Hop. Augmente la quantité maximum de munitions qu'on peut porter. Let's go. Ça, c'est fait. Alors. Oh non, ouais. Oh non, c'est trop. On a trop de trucs, là. Disco zigzag à la place de quoi? En vrai. À la place de quoi? Le fusil à pompe, peut-être. Le fusil à pompe. Personnaliser la roue. Quoi? Tu peux personnaliser la roue des armes à tout moment, choisissant une arme dans la liste en appuyant sur quoi pour lui attribuer
une place. Eh ben, attends. Ah, d'accord. Ok, ça, c'est très, très bon. Qu'est-ce que je vais le moins améliorer? Ça, finalement. Oh, bienvenue sur le joyau de notre galaxie. Passez un excellent séjour. Savez-vous que chez nous, Molotov signifie paradis? On dirait le doubleur de Jim Carrey. Le réparateur est sur cette planète? Bien sûr qu'il est ici. Un type génial, sympa et célibataire, si l'un de vous deux est intéressé. On nous a dit qu'il pouvait réparer du quartz phasique. Quartz phasique. Il répare tout et n'importe quoi. Mais, on avait un petit problème de pirate et on lui a demandé de l'aide parce que c'est un grand costaud, mais après leur avoir mis une raclée pendant des jours, il est tombé en panne. Peut-être pourrions-nous le réparer. Je suis sûr que vous le rafistolerez en une minute, Molonotienne. Mais le chemin jusqu'à lui a été détruit lors du dernier raid des pirates, alors il vous faudra un catapulteur. Bon, et j'en ai vu un dans la fonderie un peu plus loin. Vous en avez de la chance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout cela. Alors, ça on prend. Quand tout sera fini, Ratchet et toi, vous irez dans la dimension des Lombax. On est pas mal. Cible. Ok, moi je veux ça par défaut. Ratchet semble hésiter. Il a peut-être peur que. Attends, il a peur? Et de quoi? C'est un peu compliqué. Ah! Eh ben, si on veut pas y aller, moi j'irai. Allez, on va essayer d'améliorer tout de même l'électricité au maximum. Et après, on passera au disco, évidemment. Parce que je pense que ça peut être une très, 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 très bonne arme. Ok, ça c'est bon. On va essayer de se régaler sur leur côte. On a bientôt amélioré, on est bientôt au maximum, hein, de l'électricité. Donc ça peut être très, très cool. Et j'aimerais bien aller chercher les 5 autres petits robots espions. Histoire de proposer un truc vraiment cool avec la fameuse arme un peu cachée, un peu secret, évidemment, de ce jeu. C'est fait. Ben voilà. On est bientôt alors. Ça monte vite. Qu'avons-nous là? On a un rail. On a une. Il n'y a aucun moyen d'y aller. Place à l'info, très cher. Ok, ça c'est très beau, du Raritarium 3 s'il vous plaît. On va pouvoir améliorer tellement de trucs, ça fait tellement plaisir. Par contre, quelque chose me dit qu'il y a peut-être un bail ici, non? On sait jamais. Non, il n'y a pas encore. Très bien. Alors, ça c'est fait, on va checker vite fait derrière. Tout à fait, ce nom ne m'inspire que moyennement confiance. Mais nous devrions en trouver un à la fonderie. Attendez. Y a pas des panneaux cachés là? Non, alors attendez, parce que là le doute. Voilà, tu connais la suite. Je vous laisse le dire en commentaire. Attention à pas vous faire ban quand même. Mais le doute. Ok. C'est notre seule issue par ici. Allez, on est parti. Ah, on est parti. On fait. Bah, ça, vous savez, hein. Ici, s'il n'y a pas un bug, c'est pas une bonne vidéo. Qu'est-ce que c'est fait? Oh, du Raritarium, je prends. Ça, c'est fait. Rail cassé, droit devant. Très bien. Hop, on est bien. Comment est-ce qu'un catapulteur a pu se retrouver dans une fonderie? J'imagine ici, c'est l'entrée. Il y aurait un risque élevé de lésions irréversibles. Oh non. On a eu chaud. En douceur. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Un boulon en or, s'il vous plaît. Let's go. Ça ne s'arrête plus. Ok, oui, c'est vrai que ça s'arrête plus, mais c'est tellement stylé. Non mais c'est incroyable ce truc là, vraiment hein. Mettez-moi ça toute la journée hein. Ok, j'ai plus mes dommages. Oh là là, c'est tellement stylé. Extrêmement dangereux. T'as intérêt à bien t'accrocher.
accrocher. Ça va nous conduire droit à la fonderie. J'ai bien peur que cela nous conduise droit dans la fonderie. C'est tellement stylé. Let's go. Allez, nous voici à la fonderie, s'il vous plaît. Let's go. Ok. Oh, des boucliers. Très, très bien. Oh, ouais, du bateau. Forcément, maître pirate. On peut piller tout ça caché. Le réparateur est déglingué. Regardez maintenant, ça, c'est spécial. Quelque chose me dit que ce truc est crucial. Je vois que le destin nous réunit une fois de plus, ma petite rivière. Faut croire que ça lui plaît au destin de me voir te botter le derrière. Non ! Yo-ho ! Mes braves matelots, à l'attaque ! Bon, et en plus, je pense qu'on va devoir lui roboter encore limite le derrière après. Ils ne prendront pas le catapulteur. Alors, comment on va faire pour eux ? De se placer en hauteur. Bonne idée. Ça va bouclier, matelot. Oh, des boucliers ! Oh la vache ! Faire preuve de créativité. Ah, je trouve ça plutôt bien joué personnellement. Ok. Ça, ça chicote. Ça, ça les chicote. Ça, ça les chicote hard. Très bien. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du petit disco? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Un peu d'électricité encore pour les braves. J'aurais tant aimé que ce soit le cas, mais non. L'origine de l'appel de réparateur de Marco Moine. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, un petit peu de disco. Voilà. Ok, c'est bon, ça monte un peu d'XP. Parfait. On va essayer de faire le tour comme ça. Aïe, 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 aïe. Oh, pas mal ça. C'est géré, c'est géré. Aucun problème. Allez, un petit peu de vie pour les braves. On est très très bon là. Oh. Donc ça, c'est pour s'accrocher, je suppose. Non, c'est quoi? Je sais pas. Ok, le catapulteur, c'est fait. On n'a plus qu'à traverser ce gouffre rempli de pirates et à trouver le réparateur. D'accord, je suppose que ça va nous catapulter. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser juste derrière. Mais ce qui m'intéresse, c'est tous les trucs qui traînent un petit peu sur la map. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour partir. C'est sûrement pour partir ou faire tout le tour. On a encore du raritarium avec quelques petites pièces par-ci, par-là. Évidemment qu'on va s'empresser de ramasser. Voilà. On a... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a des bails ici, mais je sais pas du tout à quoi ça mène. On a trop de choses. On a un peu trop de choses à mon goût. Et derrière, on a encore... On a encore des choses à récupérer ou à faire. Ok, bougez pas, j'ai confiance. J'ai confiance, on va pas prendre le chemin du catapulteur. Ça me semble un peu trop évident. On va dévier Mère Nature, évidemment. Et l'histoire qu'elle voulait nous raconter. Non. On ne dévie jamais, Mère Nature. Laissez. Laissons Mère Nature tranquille. Bon, bah, c'est pas du tout là. Ça, c'est terrible. Allez, c'est pas grave. On va voir ce que ça a donné. Let's go. Jamais se mettre entre un pirate et son putain. Vous allez le payer cher. On est coincé. Ok, ça c'est fait. Les attaques ne passent pas. Et ça c'est fait. Ben voilà, bien sûr que ça passe mes attaques. C'est une décharge à ciel ouvert. Qu'espère-t-il trouver au juste? Moi je trouve que c'est l'endroit parfait pour dénicher un trésor.
Allez, parfait, ça aussi. Un petit peu de disco. Disco zigzag, c'est parti. Ok, un petit peu encore d'électricité. Voilà, et cette fois-ci, on est parti pour des petits ricochets. Ok. Et ben voilà. Et ben on a fait quasi toutes les armes possibles et inimaginables. On a quoi d'autre là? Ça c'est fait, la bombe à dispersion, on a le gant ravageur. En voilà d'autres. Voilà. Le réparateur pourrait nous aider en. Et ben voilà. Allez, ça dégage. On a encore un bail ici. On s'en sort carrément pas mal tous les deux. Ok. Là, on peut rien faire malheureusement. On s'en est plutôt très très bien sorti. On doit repartir par là. Ok. Ils sont en train d'envahir la planète. Hein. Vous l'aurez compris évidemment. Et c'est le fameux pirate qu'on a affronté dans l'arène qui a voulu se la donner. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas grave, on a récupéré ça immédiatement. Oh, ça c'est un régal, hein. Ça c'est un régal. C'est tellement stylé les effets quand ils se rapprochent et tout. Je suis à la fois dans l'action, très concentré, mais à la fois aussi un petit peu en admiration, tellement je suis de ouf. Ah, ça c'est une très belle attaque. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Let's go. Niveau 4. Ah! Ok. Niveau 4 et ça c'est bientôt niveau 5 par la même occasion. Allez, on va améliorer ça une bonne fois pour toutes. Ok. Ça c'est trop stylé parce que ça passe derrière le bouclier. C'est juste le meilleur brain possible. Incroyable. Incroyable les ricochets face aux pirates. Comment ça fatigué, Rimet? J'aimerais peut-être un nouveau partenaire de danse. Envoie mon frérot, hein. Envoie un max d'ennemis, hein. Moi je veux juste améliorer mes armes. Je kiffe tellement voir c'est quoi les armes au maximum. Qu'est-ce qu'on a là? On bosse? Let's go. Je pense même qu'on va augmenter encore la difficulté un chouïa. Est-ce que nous sommes censés danser? Alors là, pas question. Hop, moi je le découpe, hein. Rien à faire. Allez, coup de foudre, c'est fait. Et là, maintenant on va se régaler sur ses côtes. Bientôt niveau 2 qui plus est. On t'infligera pas le supplice de la planche. Vache. Attendez, parce qu'en vrai, j'ai peut-être fait le malin. Là, ça commence à devenir très sérieux. Très, très, trop sérieux. Ok. C'est chaud. Est-ce que nous sommes censés danser? Alors là, pas question. Vache. Il vise, mais le problème, c'est qu'il saute aussi. Alors, j'avoue que ça déconcentre un petit peu. Oh, bien joué. Bien joué, ils sont beaucoup trop forts ces zigzags à la con. Oh non, mais il y a des trucs terribles. Oh, terrible. Attendez, on va la jouer intelligemment. Ok.
vache. Allez. Allez mon pote. Ok. Le collisionneur. Ah vache. Ok. J'enlève quand même 3-4% à chaque fois. C'est la folie de vouloir trouver le réparateur. Et presque. On va avoir du lourd. Quoi? Ouh, ça y est, c'est fait, collisionneur de niveau 5. Ouh, on améliore de ouf. Et on va attaquer le ricochet. Parce que c'est toujours stylé de faire des ricochets. Et let's go! Let's go! Notre vaisseau est en faillite! Détruisez-le, quel qu'en soit le prix à payer! Vous êtes sûrs! Oui! Je propose de quitter le navire! Proposition acceptée! Bien joué, nous voici atterris à Petit Bricoville. J'en ai fini une bonne fois pour toutes avec les pirates. Bah voilà. Bon, laisse-moi, il est temps de voir tout ce qu'on peut faire parce que là c'est quand même assez incroyable. Alors le grand collisionneur, regardez-moi ça, il va être fou. Augmente le rayon de l'explosion. Augmente le rayon de l'explosion encore une fois. On augmente encore une fois le rayon de l'explosion. Et normalement, augmente la durée d'un rayon entièrement chargé. Je crois que tu viens de transformer un mégatron en positron. Et ben ça, c'est fait. Offre-toi une amélioration. Augmente la cadence de tir. Augmente la cadence de tir. Les tirs se chargent plus vite. Oh là 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 là. Quel bonheur. Tellement d'armes. Augmente la durée de l'étourdissement. Augmente la durée de l'étourdissement. Et c'est avec cette fini. Arme entre les mains, tu seras un véritable foudre de guerre. Tu pourras l'améliorer quand tu l'auras fait changer de niveau. Et oh là 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 là, le ricochet fait plus de rebonds pour chaque tir, évidemment. Incroyable aussi, on est giga bien. Et c'est pas tout, parce qu'il y a le disco zigzag qui est incroyable aussi. Augmente la taille du cône d'auto-ciblage avec les lames rebondissent plus longtemps encore. Ça ne s'arrête pas, c'est incroyable. Incroyable. Utilisons le catapulteur pour atteindre notre cible. On a amélioré tellement d'armes, c'est juste ouf. Et après, on ira visiter aussi le petit côté, le début là, où il y avait des rails un peu chelous. On n'avait pas encore pris. Je dois bien avouer que je m'attendais pas à ce que le... Alors, ricochet rouge, on est bien. Voilà, ça. Quand il n'a pas affaire à des pirates, il se montre plus amical. Un robot géant amical, ce serait bien une première, mais c'est pas. Oh là là, mais vous avez vu, ça rebondit combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5. Ça rebondit au moins 5 fois. 1, 2, 3. Ça rebondit 5, 6 fois. Vraiment. Incroyable. Incroyable. Et encore, il est pas au max. Hein. Oh, du Rarisarium, 100 points. Ça devient une source rare quand on a amélioré comme moi tout ce que j'avais amélioré. On va prendre le disco zigzag aussi. Parce que vraiment, ça peut swinguer. Une autre poche dimensionnelle. Ça me plaît. Quoi, ça pourrait être marrant. Je peux me laisser convaincre. Ça me plaît, il est temps d'aller choper petit morceau d'armure des familles. Bonsoir. Une dernière balade à dos de scarabée, peut-être. Ok. What? Très bien. Très bien. Très bien aussi. Ok, ensuite on fait quoi là?
On va passer par ici. Ok, très bien. Et ben, let's go! Allez, ça c'est fait! Nouvelle armure récupérée. Et c'est la tête et le casque, le pléthorien Lombax. Bon, 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 bon. Alors, comment on revient par contre, mon ref? Parce que là, ça risque d'être très, très, très compliqué. Comment on revient? C'est incroyable. Je sais pas ce que je tente. Mais attendez, je pourrais le faire comme ça. Incroyable aussi. Incroyable. Non. Adieu. Bah ouais, mais j'ai un problème, les amis. J'ai un très gros problème. On va prendre le bordel ici. Heureusement qu'ils ont pensé à tout. J'ai un très gros problème. Comment on vient? Alors, doucement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais what? Vous avez vu où je me suis envolé ou quoi? Ok. On va bien réussir à se barrer. Hein. Bon, attendez, parce que vraiment, sincèrement, je ne me souviens plus d'où je viens. Ah putain, j'ai... GS, c'est terrible, il fallait juste attendre que ça apparaisse. Bon, allez, c'est fait. Très sympa celui-ci, même s'ils ont fait mieux quand même. Hein. On a eu de meilleurs petits moments de bonus. Hein. Mais fascinant. Maintenant, direction le réparateur. Ok. Ça, on prend. Très bon ça. Tu veux regretter de nous avoir forcé à se... Ah, oh, il y a un boss. Il est loin en plus ce con, hein. Attaque maintenant. Problème. Problème de catégorie 8 ou 10 là. Je pense pouvoir les attaquer sur les côtés. Alors, problème de catégorie 8 ou 10. Ça va durer encore longtemps. Okay. Heureusement qu'il y a les ricochets, mon ref. Oh là, ça... Ouais, là, il y a moyen qu'on recommence plusieurs fois. Je m'enferme sur leur bord, c'est terrible. Ok. Ensuite, on va passer à ça. Ratchet & Clank, c'est une histoire d'équilibrage sur les armes utilisées. Savoir utiliser les bonnes armes au bon moment, mais aussi savoir monter les bonnes armes au bon moment. Ne me mets pas dans le même sac que ces incompétents. Ok. Je suis la mascotte de l'opération. Oh là là, regardez, ça gicle de partout, toujours aussi fou. Paratonnerre, c'est trop chaud. Oh la vache. Ok, ça c'est fait, on a récupéré un petit peu de vie pour les braves. Qu'est-ce qui se passe? Parfait. Je commence à le connaître, tu sais, et ça m'étonnerait. Attends, on va se récupérer ici. Oh, l'enfoiré. Mais quel pré-shot incroyable il nous fait là. Ça on prend. Du raritarium mon pote. Ouais, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça, je vous l'avoue. On est reparti, on va lui casser le cul. Robot de mes deux. La restauration est achetée, il sera bientôt. Ok. Moi aussi. C'est exactement le même robot que tout à l'heure. Mais ça, l'avantage, c'est que ce genre de robot nous permet d'améliorer relativement facilement nos armes.
Pourquoi? Parce que ça touche à chaque fois en fait. Hein. En fait, vos armes s'améliorent au toucher, pas spécialement au kill. Sinon, imaginez qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour améliorer une arme et ça serait assez terrible. Non, c'est dur. Ok. On va y arriver. Hein. Le ricochet, il augmente très très bien. Incroyable cette vidéo. On augmente, voilà les armes. C'est un problème. Ce qui vient de se passer est un problème. Ah mais attends. Voilà, c'est un peu bon. Allez, attaquez-moi ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à améliorer? Nidadidadoum. Et ben voilà, les robots! Le corps ravageur niveau 2! Il s'avérait que le quartz phasique était irréparable. Insane. Et ben on serait dans de beaux draps. Mais inutile de s'inquiéter avant de savoir. Ok. On reste focus, vous me suivez les potes? Mes petits robots potes. Les robots. Ok. On a quelque chose à droite et on a quelque chose ici, dont du raritarium. Donc vous savez que moi, je vais là où il y a le quoi. Ah, ça me paraissait évident. Bon allez, les grands ravageurs vont s'en occuper. Non, je me refais des petites mines. Allez-y les potes. Regardez comment ça monte tout seul, c'est incroyable. On va laisser regarder les petits robots. Laissons faire les petits robots. Ok. C'est fait? Ça a l'air d'être fait. Un peu trop facile à mon goût, limite. On peut pas monter. Je suis juste venu me casser les chicots avec des gens, là? C'est quoi l'embrouille? Ok. Attends, on va essayer autre chose. C'est pareil, en fait. Je comprends pas, là. Je pense que je passe à côté d'un truc, non? C'est pas possible qu'on soit juste venu ici pour... Il y a forcément un bail. Oh, j'ai eu chaud. Il y a forcément un bail. Et je pense qu'il faut rentrer dans les failles quand elles sont... Il y a un bail, mais j'ai pas saisi, on reviendra sûrement. Mais il y a forcément un bail. Parce que là, il y a des trucs que je touche pas. Ok. Ah oui, il s'en met loin. Allez, c'est parti. Petite phase de rail, tu connais. Ok. Allez, let's go. Bon. Toujours rien de fou. Pour réparer le réparateur. Dans un premier temps, on va le mettre en marche. Ok. A-t-il été éteint parce qu'il était défectueux? On va ouvrir et on va s'arrêter là parce que j'ai pas vu. On est déjà à 35 minutes tellement je suis captivé par le truc. Je vous dis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Portez-vous bien. À la prochaine, tout le monde. Bisous. Bonjour. Bye bye. Est-ce que ça va? Non, je suis défaillant. Tout est défaillant. Je ne peux plus rien réparer. Oh non!
débarrasser des pirates. Concentre-toi sur le glissorail, Rivette. S'il continue comme ça, il va tout démolir. Attention, des gravats. Vous l'appelez le destructeur maintenant ? Je vois que...